Quand je vois tous ces mecs de gauche là, les Louis Boyard, toute la clique là, Ruffin, comment il s'appelle l'autre là, Bompard, Mélenchon, Garrido, c'est qui encore? Alexis Corbière avec sa montre à 21 000 balles, qui sont là, oui, en train de descendre dans la rue, faire des manifs, s'opposer au gouvernement, mais vous l'avez fait réélire, vous l'avez fait réélire. Mais quand est-ce que vous allez devenir un tout petit peu honnête avec les gens, vous l'avez fait réélire. Il faut que je vous le répète, vous l'avez fait réélire pour soi-disant faire barrage à Le Pen, alors que vous saviez pertinemment que ce mec-là allait mettre à exécution son programme macabre. Et maintenant, vous êtes là comme des escrocs, vous passez sur tous les plateaux de télé à nous expliquer que c'est la rue qui va gagner, que c'est ceci, que c'est cela, et que vous voulez un référendum. Bien sûr qu'on veut un référendum, ça c'est clair et net, mais ils le feront jamais et vous le savez pertinemment. Quant aux syndicats là, les potes à Macron, mais les syndicats, mais Martinez, mais c'est pareil, t'as appelé à voter Macron et maintenant tu t'opposes contre lui dans la rue. Mais c'est bien, continuez les gars avec votre idéologie et votre escroquerie intellectuelle. Et vous allez voir jusqu'où ça va mener. Vous trouvez pas quand même que le pays est totalement divisé et il est en train de se féodaliser? Mais jusqu'où vous allez aller comme ça? Franchement, mais vous êtes tous à vomir. Quand je vous dis à vomir, c'est vraiment pour pas dire autre chose. Alors allez tous vous rhabiller là parce que vous servez à strictement rien du tout.